Les amis, regardez, je viens d'acheter la poupée Anna, la fangirl de Talcado, elle est juste ici. Regardez comment elle est stylée. C'est la fangirl officielle des vidéos de Talcado, Anna. Incroyable. Et aujourd'hui, pourquoi pas manger Anna. Miam. Exactement, Twinner. Vu qu'on n'a pas du tout mangé de la soirée et que j'ai super faim, on va tout simplement manger Anna. Est-ce que vous êtes chaud? J'ai super faim. J'ai tellement envie de la manger. Ah, mais quelle partie de son corps pourrait-on manger? On a sa tête, ses bras, ses jambes. Quelle partie pourrait être assez succulente? Les seules parties comestibles, c'est la tête et les bras, puisque le corps, c'est pas du tout mangeable. On va tout de suite sortir la poupée de son emballage et on va tout de suite découper sa tête. Juste avant que je découpe Anna, la fangirl de Talcado, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Ok, c'est parti les amis, on va tout de suite découper la tête. Allez, cheese, allez, cheese nut. Mais tu galères ou quoi, cheese nut? Oula, je crois que j'ai un peu du mal. Tu sais quoi, vu que t'as plus de force que moi, je te laisse découper. Ok, diabolo, 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 diabolo. Diablo, il a aussi du mal. Bon, Twinner, allez, c'est ton tour. C'est le monstre. Twinner, 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 Twinner. Attention. Allez, Twinner, vas-y. Attention, les gars. J'ai presque. Let's go. On vient de découper la tête de Anna. Et regardez cette partie. Oh, elle est juste magnifique. Je crois que ça va être super bon. C'est vrai que maintenant, elle est super belle, Anna. Regardez comment elle est jolie maintenant. Oh là 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 là. Est-ce que vous pensez que comme ça, Talcado aura toujours envie de la pécho? Et d'ailleurs, les amis, mettez dans l'espace commentaire une note de la tenue de Anna. En vrai, quand même, elle a une petite tenue de princesse et tout. Je la trouve vraiment super stylée. Moi j'aime bien. Par contre les mecs, comme vous pouvez le voir, il y a un petit souci, puisque la seule partie comestible, c'est la tête. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment juste une petite boulette. Et je crois qu'il n'y en aura que deux qui pourront la manger. Mais on a... ce sera moi. On a tous super faim là. Moi j'ai très faim, Diabolo aussi. Et je crois que Chiznan, le ventre gargouille. Ah, regardez-moi ce ventre qui gargouille. Ah ouais, je peux te dire que j'ai super faim. Évidemment, vu que j'ai super faim, déjà moi je vais manger. Et je pense que ça sera sûrement à vous deux de vous départager. Moi, t'inquiète pas, on va se départager. Mais comment est-ce qu'il faut faire? C'est un combat à main nue. Ça va être Doumbé vs Baki. Let's go. Non, Chiznan, dis-nous là, parce que là on va se taper dedans. Calmez-vous. Non, mais arrêtez les gars. Vous allez pas vous battre juste pour manger Anna la poupée. Oh bah, si c'est pour Anna, moi je suis clairement prêt à me battre. Non, calme-toi Twinner. Donc moi j'ai une idée pour vous départager, ça va être simple. Vous allez faire un match de catch. Je suis John Cena. Bon bah dans ce cas là je suis Randy Orton. Et t'inquiète pas, je vais faire un RKO à John Cena. Juste avant que le match commence, moi je vais faire mes pronostics. Moi je pense que c'est John Cena qui va gagner. Du coup c'est sûrement Diablo qui va remporter. Let's go. Et manger la poupée avec moi. Youhou. Abonnez-vous, il y a Undertaker qui va venir. J'ai la récompense juste ici. Voilà, je vais la placer sur la table. Et comme vous pouvez le voir sur la télé, on a allumé la PlayStation 5. Il y a John Cena à ma droite, qui est tout simplement Diabolo. Let's go, je suis John Cena. Et juste à gauche, on a Randy Orton, qui sera tout simplement Twinner. RKO. Let's go. Allez, je vous laisse dans... Allez, dans 3 secondes, vous allumez le match. 3, 2, 1... Let's go. Le combat va commencer. J'ai tellement hâte. Eh, team John Cena ou team Randy Orton, les potes? Allez, c'est parti, c'est parti. Dites la team John Cena, let's go. Ok, c'est parti, c'est parti. Allez, c'est parti, regardez, il y a John Cena qui a défoncé. Voilà. Ok, c'est parti, boum. Boum. Oh, bah John Cena, bah alors on fait moins le malin là. Oh, je pleure de John Cena. Et ta terre, Randy Orton qui est en train de le massacrer. Mais qu'est-ce qu'il va aller chercher, Randy Orton? Non. Randy Orton, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il va aller chercher les escaliers et il va tout simplement aller défoncer John Cena. Mais je pensais que c'était John Cena qui allait gagner. Regardez. Qu'est-ce que fait John Cena? Qu'est-ce qu'il fait Randy Orton? Non. Oula, je crois
que Rangerton est en train de faire une prise à John Cena. Oh, il va le louper. Non, les abonnés, je suis tellement nul, je sais pas jouer. Allez, c'est parti. Non, allez, allez, Diablo, je croyais en toi. Vas-y, tu peux le faire. Ah, oh, ok, voilà. Regardez, salut pote, regardez. Boum. Oh, il s'est pris la chaise. Boum, boum. Oh, il s'est vraiment massacré. Mais Diablo, fais quelque chose, réagis. C'est parti. Attention les potes, ça va être le moment final. Non. Ça va être le moment final. Qu'est-ce que tu comptes faire? Twinner. Ça va être le moment du tombé. Boum. Oh, le RKO. C'est fini pour John Cena. Regarde, c'est bon. Ok les potes, boum. Cette paralysée. Ça y est. Attention, on descend en bas. Et vas-y John Cena. Allez, on attendait. Qui est Twinner, et voici Diablo qui a perdu. Alors que j'ai tellement faim et je pourrais pas manger Anna, là, face garde le cadeau. Malheureusement, je suis désolé, Diablo, mais c'était le but du jeu. Allez, Twinner, tu viens manger Anna avec moi. Let's go. Heureusement que j'ai gagné contre Diablo. Mais Diablo, ne t'inquiète pas, j'ai une petite surprise pour toi, puisque oui, tu vas pouvoir cuisiner Anna avec nous. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger de Anna? Une jambe, un bras, dis-moi Chiznan, j'ai hâte de savoir. Alors tu pourras manger une partie qui n'est pas du tout comestible, c'est toi qui vois, bah c'est tout simplement ses pieds. Les pieds? J'espère qu'elle a pas porté des baskets trop longtemps, parce que sinon ça va sentir les pieds de Chiznan. En plus c'est clairement les gros pieds, regardez, ils sont énormes. Oh mais arrêtez de vous moquer de mes pieds, c'est pas drôle. Et d'ailleurs, ils sont super bons. Je viens de récupérer la poupée Anna juste ici. Comme vous pouvez le voir, elle a plus du tout de tête, hein, elle ressemble pas à Anna d'habitude. Et je vais tout simplement la retirer. La passer juste ici. Elle avait des très jolis talons. Waouh. Diablo, comme tu peux le voir ici, t'as pas mal de choix. Je te laisse choisir et tu pourras ainsi tirer sur Anna. Alors, déjà, j'ai un arc. Bon, l'arc, il a l'air un peu pourri. Hein. On va tester ça. Let's go. Je vais tirer. Oula. Oula. Je vais tirer sur The Chiznan. Non, aïe. Allez, hop. Ah. D'accord, c'est tellement nul. Bon, j'ai un nerf. Oh, lui, il a l'air un petit peu mieux. Ouais, je suis pas très convaincu. Là par contre j'ai quelque chose qui est beaucoup plus puissant. Et on va essayer sur ce Chiznan. Let's go. Let's go. Ça envoie des munitions à plus de 200 km/h. C'est vraiment pas un jouet. Allez, on va tirer sur Anna. Let's go sur ses pieds, Oh. Hey, laisse-moi, c'est mon repas les pieds de Anna. Let's go. Oh, mais c'est quoi ça? Allez, il faut que ça se découpe. Ok, oula. Faut que je mette des munitions. Je suis en train de faire tomber des munitions dedans. Allez, je vais vraiment réussir. Voilà. Oh, magnifique. Oh, ça va. En vrai, ça va. Essaye. Je vais renifler un petit peu les pieds de Anna. Ok, ça me rappelle un peu le comté, le Beaufort. Ok, on est sur des très bons fromages de Bretagne bien fermentés. C'est parfait. Ça sent un petit peu l'emmental qui est resté 2 semaines de trop dans le frigo. Non, c'est pas ça va. Oh là là, c'est le reblochon par contre là. Oula. Là, c'est un petit peu le bleu. Ouais, bah bon, attends, fais un. Oh non, c'est le fromage de chèvre. Allez, on va mettre ça à chauffer. Allez, on met ça dans la casserole. C'est parti, les amis, on va tout de suite cuire Anna. Mais juste avant, on va mettre des épices dessus. Et en plus, tout à l'heure, j'ai fait des superbes frites. Elles sont trop bonnes. Les amis, regardez, j'ai pris une magnifique poêle. On va pouvoir tout simplement mettre le corps de Anna à l'intérieur. Voilà, hop, Anna est dans la poêle, on va un petit peu l'assaisonner avec quelques épices. Évidemment, on met du sel et du poivre. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, et moi, je mets bien du poivre, voilà. Elle est bien assaisonnée comme ça. Dis-moi, Twinner, est-ce que tu manges les gros piments? Ouais, j'adore quand c'est bien pimenté, que ça pique la bouche. Et bah c'est parti, on va lui en mettre plein les cheveux, regardez les amis, waouh, c'est magnifique. Bon, moi j'aime bien quand ça a toujours un peu plus de goût de fromage, comme par exemple ses pieds, donc on va rajouter une tranche de cheddar. Hop là, c'est parti,
Voilà, parfait. On va la rouler dans le cheddar. Ok, parfait. Voilà. Et ensuite, on termine avec une petite pincée de frites. Voilà, ça rajoutera ce petit goût frites cheddar comme à Burger King. Hop là. Voilà, c'est parfait. Bon là, franchement, je crois qu'on va se régaler. Et moi, je vais ajouter un petit peu de coca pour assaisonner le tout. Là-dedans, là. T'es sûr que c'est une bonne idée? Une petite goutte. Ah, je suis pas sûr que ça va être très bon. Voilà. Oh. Si, bien sûr que si. Ça va être super bon avec le coca, quand même, Twinner. Après, je suis pas de cet avis culinairement parlant. Mais Twinner, t'as jamais fait cuire tes pâtes dans le coca? Bah écoute, pas jusqu'à présent, mais en vrai, ça sent bon. Bah pourquoi pas? Allez, let's go. Vous avez oublié un ingrédient spécial? L'oignon. Allez, c'est parti. Voilà, parfait. Et on va bien lui mettre l'oignon, hop là, dans le visage. Ah voilà, mais frotte bien. Moi frotte déjà, bien. Je me régale. Ah, tu sens bon, oh, Ben. Oh non, mais ça schlingue. Fais voir. Oula, bon, je crois que les deux ils sont un peu bizarres. Les amis, c'est parti, on va tout de suite passer à la cuisson. Mais dites-moi les mecs, est-ce que vous voulez que je cuise ça à point? Je pense faut vraiment que ce soit à point, à point, à point, à point. Parce que si c'est saignant, il peut y avoir plein de bactéries dedans. Ok, bon, c'est parti les amis. On place tout de suite ça dans la plaque de cuisson. Oula, c'est parti, hop, on l'active. Un peu d'œuf d'Anna. Et je vais le mettre au max. Ok, on le met à 9. Mais attends, attends, Jinan, on a oublié le plus important. Dans un repas culinaire, il faut toujours ajouter du caviar. Et j'ai aujourd'hui du caviar d'Anna. Regardez ces petites boules là. Ce sont plein de petits œufs des enfants de Talcano et Anna qu'on va mettre à l'intérieur de la casserole. Regardez, ce sont tous les œufs de caviar de Talcano et Anna. C'est tellement mignon. Mais attends, mais le caviar, mais attends, mais je crois que ça se mange même froid. Attends. Eh mais c'est super bon. Bon bah c'est parti, on rajoute un petit peu de caviar de Talcano et Anna. Voilà, parfait. Ils sont tellement bons, ce caviar. Bah attends, on a mis pas mal d'ingrédients mais on n'a pas mélangé ça. Regarde, je me suis équipé d'une magnifique spatule. Allez les amis, c'est parti, on mélange le tout. Ok. Pendant la cuisson de la viande, il va falloir faire des accompagnements. Et pour les accompagnements, oh, je sais, on va faire des frites. Mais qu'est-ce que tu viens de me mettre là, Diablo? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du cheddar que l'on va mettre sur les frites. Let's go. Exactement, on va faire des frites au cheddar. Chiznan, dis-moi que tu connais cette recette au moins. Bah oui quand même, je suis le plus grand chef cuistot au monde. On va rajouter du bacon, est-ce qu'il y a du bacon ici? Je sais pas, par contre il y a du curry. Chiznan, t'adores le curry toi? Évidemment que oui, je kiffe le curry. Regardez, venez voir, il y a du curry juste ici. Oh ouais. Bah ça c'est un peu comme du bacon en vrai. Tu veux un petit peu de bacon de curry? C'est ça, c'est du bacon halal. Allez, c'est parti. Ok. Attendez, c'est tellement bon que... Je m'en lèche les doigts. Ok, bon, est-ce que tu trouves l'accompagnement trop stylé? Moi je l'adore. Allez, c'est parti, on le met à chauffer. Let's go, hop là. Alors le micro on est un peu bizarre, il est un peu penché. Hop, let's go, parfait. Et on lance. Allez, c'est parti les potes, c'est en train de chauffer dans le micro-ondes. Chiznan, t'as bien surveillé la cuisson de la viande? Oui, t'inquiète pas, je reste près de la viande. Est-ce que ça vous dit, en attendant, on fait une petite partie de ping-pong? Bah vas-y, carrément. Dans tous les cas, on a 5 minutes à passer. Le temps que tout ça chauffe, tu sais quoi? Je vais tous vous prendre au ping-pong. Allez, moi j'y vais, je m'en... Let's go! C'est parti! Je vais tous les défoncer, venez. Les amis, on va faire un 2 versus 1. Donc je serai avec Diablolo. Et Twinner sera tout seul juste en face. Mais les potes, moi je suis carrément le champion de ping-pong. Regardez, je peux tenir comme ça pendant des heures. Bon, allez, c'est parti! On commence. Allez, let's go. Allez, c'est parti, Chiznan, tu peux tirer. Ok. Ok, à toi, Chiznan. Oh non. Mais qui m'a mis un coéquipier comme ça? Non mais c'est pas possible. Eh, si vous voulez le rendre plus fort, mettez tout de suite un pouce bleu sur cette vidéo. Et ça le rendra trop fort au ping-pong. Allez, tout de suite, un pouce bleu. 3, 2, 1, let's go. Ouh. Voilà. Ok les amis, c'est parti, là je suis super chaud. Allez, vas-y, tire. Oh, les potes, je commence à avoir peur là. Ils ont l'air d'avoir pris beaucoup de force. J'espère que je peux me faire ridiculiser. Ok, allez, vas-y. Ok, les amis, je vais tout de suite utiliser mon super pouvoir. Oh. Aïe, 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 a
cette balle était super dure à attraper. Cheese Nan est vraiment trop fort. Bon, retourne diablo. Oh non. Ok, ça passe. Ok, let's go, let's go. Ok, j'ai gagné. Oh, par contre, je crois qu'il y a un problème, il y a du bruit qui vient de la cuisine. Mais oui, c'est vrai, on a laissé Anna. Je viens de récupérer une assiette et je vais tout simplement pouvoir mettre Anna. Ok, on va voir ce que ça donne. Ok, les amis, là, c'est pas mal. Oh, regardez, on a les petits oignons ici, on a la tête de Anna et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, oh, mais c'est sûrement le pied de Anna. Ok, bon, je place l'assiette juste ici. Mais oui, c'est vrai qu'il y a les frites dans le micro-ondes. Vite, 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 vite. Ok, j'espère que ça a bien fondu. Oh, regardez-moi ça. Ça a l'air vraiment super bon. Bon, je mets les accompagnements juste à côté. Bon, les amis, évidemment que pour les frites, il va falloir ajouter de la sauce. Regardez, j'ai du ketchup et de la mayo. Évidemment, je mets les deux. Allez, c'est parti. On met une bonne partie du ketchup. Ok. Et c'est parti, on ajoute également la mayonnaise. Mais cette fois-ci, on ajoute ça sur la tête de Anna et sur son pied. Voilà, regardez les amis. Oh, ça sent tellement bon. Évidemment les amis, on va pas manger ça à la main, puisque sinon je risque d'avoir les mains salies. C'est pourquoi j'ai récupéré des couverts, une fourchette et un couteau. Et on va tout de suite servir ça à Twinner. Venez, 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 venez. Ah, bah, vous avez arrêté de jouer les mecs? Ouais, on a fait une petite pause, je commence à avoir un petit peu chaud par contre. Mec, tu nous ramènes quoi? Oh, regarde, sens-moi ça. Wow. Les frites au cheddar, c'est ça? Mais il y a beaucoup de ketchup et tout, mais... Et ça, c'est quoi, déjà? Sana, Sana, laisse-moi manger. Non, non, mais Diablo, qu'est-ce que tu fais? Sana, non, c'est pas toi. Recule, recule. Je mange. Recule, si jamais il en reste, pourquoi pas? On va goûter Anna ensemble, les potes. Alors, tu la trouves comment, Anna? En vrai, à point, bonne température... assez agréable, en vrai, avec les frites et tout, ça passe bien en accompagnement. Ouais, un petit peu gras quand même, mais Anna a plutôt un bon goût. Alors dis-moi, tu pourrais donner une note de Anna? Ouais, pour Anna, je mettrai un superbe 7 sur 10, je valide carrément. Un bon 7 sur 10, oh, c'est vraiment pas mal. Par contre les amis, j'ai oublié, puisque oui, il y a le pied de Anna. Regarde Diablo, t'as le pied de Anna juste ici, tu vas pouvoir le déguster. Oula là là, t'as mis beaucoup de sauce sur le pied de Anna. C'est pour cacher l'odeur de ses pieds, puisque d'ailleurs t'avais dit que ça sentait un peu les mentales. Ok, bon c'est parti, je vais goûter ça. Oh, j'ai vraiment peur là. Ok. Pour pas faire de gâchis, j'ai fini, mais c'est vraiment pas bon du tout, ça fait partie des pires trucs que j'ai mangé de toute ma vie, Cheese-Nan. T'as intérêt à me donner autre chose à manger, parce que là sinon je vais péter un câble. Mais Diablo, je t'avais dit que son pied il était pas comestible, c'est ta faute hein. À la limite, si tu veux, il reste quelques frites. Oh, pourquoi pas. Oh là là, on fait que de manger des frites ici. Alors, ils sont comment les frites? Mais franchement, les frites elles sont pas mal. Bah tiens, je te laisse bouffer. Bon appétit, Diablo. Bon appétit.